La semaine dernière, le musée Sanxing Doi a commencé à recevoir des visiteurs de l'extérieur de la province du Sichuan. Les deux premiers groupes de plus de 30 touristes venaient de la province du Henan, dans le centre de la Chine, et de la capitale Beijing. Tous les visiteurs ont montré les codes de santé sur leur téléphone mobile et porté des masques lors de la visite. Comme les guides du musée ne sont pas encore retournés au travail, les visiteurs doivent en apprendre davantage sur les expositions par le biais d'une application sur téléphone. Ils doivent également réserver un moment en avance pour visiter des salles d'exposition spécifiques. Maintenant, nous opérons à 50% de la capacité de l'infrastructure. Pour assurer une entrée ordonnée, nous avons mis en place un système de réservation. Les visiteurs peuvent nous contacter à l'avance et réserver leur créneau horaire dans des salles spécifiques. Cela a grandement amélioré leurs expériences. Le musée Sanxingde de la ville de Guangran abrite des objets découverts sur le site archéologique de Sanxingde. Depuis la première découverte en 1929, les objets de l'âge du bronze d'il y a plus de 4000 ans fascinent le monde entier. L'attraction principale, ce sont les masques géants qui démontrent une technique sophistiquée de moulage en bronze et une esthétique différente de celle trouvée dans le nord de la Chine.